Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Alors, le tutoriel d'aujourd'hui consiste à remplacer le disque dur d'un ordinateur portable HP. Ok, nous verrons au cours du tutoriel. Donc, voici l'appareil. Donc, je vous encourage à vous abonner. Juste pour vous prendre la sorte. Avant tout, je vous conseille d'enlever tout ce qui est métallique sur vous, donc du coup bagues, bracelets et autres, d'accord, montre et tout, parce que cela peut griller la carte mère de votre appareil, d'accord. C'est déjà avec l'électricité statique que vous produisez avec le corps. C'est un danger pour la carte mère de votre appareil. L'appareil est simple. Donc on va passer pour réaliser ce tutoriel. Vous aurez besoin du disque dur, ok, que vous allez ouvrir l'appareil et récupérer la pièce, donc cette pièce-là qui est défectueuse et remplacée. Pour ceci, j'aurai besoin d'une tournevis de cette forme. Ok, de préférence comme ça, cette taille-là. Tout aussi, ça suffira, mais c'est ça sur la main. Et plat aussi. Ça va suffire aussi. D'une clé USB contenant le système d'exploitation. Donc là, je vais mettre du Windows 11 là-dessus, puisque c'est du Windows 10 qui est dessus. D'accord ? Côté, vous aurez besoin d'un pinceau pour éventuellement un coup de nettoyage et un essuie-tout-rouge pour pouvoir. Donc ça, c'est optionnel. D'accord. Aussi, de faire un diagnostic de votre appareil pour voir ce qu'il en est. Ok. Là, déjà d'entrée, je vois qu'il manque une vis. Voilà, c'est un appareil qui a déjà été ouvert. Donc, du coup, le lecteur de CD, donc je vais l'éliminer. Je crois que c'est la vis du lecteur CD qui manque. Donc là, je vais enlever ça tout à l'heure. Vous allez voir comment ça se fait. Puis la batterie, effectivement, tout. Par ça, ça va. Donc, si vous êtes dans ce cas, on va partager, s'il vous plaît, merci. L'appareil. À la fin de la réparation, il faut que l'appareil s'allume comme là. On voit bien que c'est un appareil qui est fonctionnel. Sauf que, pourquoi je vais remplacer le disque? Ça grince, ça fait des claquements et tout. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça empêche la machine de tourner correctement. Donc, en termes de vitesse, on filtre. Vous pouvez utiliser l'appareil, mais en utilisant, vous voyez que ça peut bloquer, ça peut faire pas mal de choses. Et par exemple, vous lui demandez de faire quelque chose, ben, il met trop de temps à faire la chose et vous attendez le grincement du disque dur à tout bout de champ, ce qui est pas bon, quoi. Donc dans ce cas, on n'a pas de dire que faut rajouter. Bon, de toute façon, on va voir si on peut rajouter une ou deux barrettes supplémentaires. Il faut rajouter de la barrette, il faut faire ci, la machine RAM et tout. C'est juste que le disque dur, cette pièce-là, lorsque c'est défectueux, ben, c'est défectueux. C'est une pièce qui lui contient le système d'exploitation de l'appareil. D'accord, contient le système d'exploitation de l'appareil. Donc, c'est là où l'OS est installé. Pendant que l'OS est installé là, donc vous avez plein de fonctionnalités qui se trouvent. C'est ce que nous allons changer aujourd'hui. Ça, c'est le disque dur de. C'est le barrette de mémoire pour les ordinateurs.
portable. Donc c'est le portable. Et voilà. On va voir ce que j'ai là tout à l'heure. Là, on va voir quel type de barrette QA ce machine. Ce qui est dur aussi. QA, on va voir ça. DVD, je pense pas que j'en ai. C'est compatible. Ah, c'est là. Si j'en ai pas mieux. Ouais. Ça, c'est le lecteur DVD que je vais remplacer tout à l'heure. Enfin, je vais l'éliminer parce que j'ai pas le modèle. De toute façon, en 2024, les lecteurs DVD sur les appareils, je peux vous assurer que ça a son utilité. Hein. Mais aussi important qu'avant. D'accord. Alors, vous voyez que là, bon, ça c'est bon. Je vous prie de vous abonner. Pour les tours, c'est pas pour les tours. Ce qui est dur que je suis déjà. Hein. Et ça, je vais choisir la vidéo. Je vais devoir mettre ça au-dessus parce que je n'ai pas encore besoin. Alors, ça c'est fait. Voilà, je dis que l'appareil fonctionne. Donc on va faire un tour dans le paramétrage de ce truc. Vous voyez, lorsque vous faites des opérations comme ceci, vous voyez que ça met un certain temps à il y a 4 gigas, donc ouais, ça va. On va mettre ça ici. Donc c'est un i3, hein, c'est un appareil d'i3. Laissez un like en plus, un commentaire. C'est pas une machine de B2C, c'est une machine bien qui est fonctionnelle. D'accord. Le nom de l'appareil, c'est bon. Alors le modèle, je vais le placé à la fin du tutoriel. Donc c'est un TPN 629 HPIMC. Donc ça c'est le modèle de l'appareil. Donc là, on a du Windows 10, on va passer à Windows 11. Donc je éteins l'appareil parce que je vous dis que ça claque le disque dur. Vous l'attendez pas, mais si j'utilise ça pendant allez, une heure, une trentaine de minutes, vous allez, par exemple, si je vous demande de faire des choses, ne serait-ce que bon, je vais vous demander d'ouvrir. Bon, on a ceci.
toute façon, les fichiers qui sont à l'intérieur, vous voyez, ça charge tout le temps là. Les fichiers qui sont à l'intérieur, donc vous aurez ça sur un autre endroit. Donc vous aurez à prendre les fichiers qui sont là-dessus d'abord, avant de faire ce que je veux faire. Ok? Vous entendez? Je pense que vous entendez. Est-ce que ça fait comme bruit? Là, c'est le disque dur qui fait ça. Chaque fois que vous demandez de faire quelque chose, il reste comme ça. Et à la fin, il vous lâche. C'est pour ça que j'ai pris les précautions. Entendez bien. Vous entendez? Comme ça là, c'est à dire qu'il faut remplacer le disque dur. Ça, c'est pas comme de dire qu'on va faire le nettoyage, ça rame, il y a le virus, il y a tout ça. Il faut remplacer cette pièce là. Donc, après tout dépend ce que ça a comme disque dur, comme capacité. Bon, ça c'est un 500 giga octet, donc vous pouvez en profiter de rajouter un de 1000 si vous en avez besoin, tout dépend de votre utilisation. Lui aussi, c'est une affaire de 500 gigas qu'il a. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais éteindre l'appareil. Ça claque à chaque fois. Éteignez votre appareil si vous êtes dans le cas. Pour ça, il faut éteindre. Pour éteindre ça, c'est comme ceci. Et on passe à la chose qu'on va faire là de suite. Donc là, c'est bon. Vous retournez votre appareil. Vous enlevez la batterie. Bon, celui-là, c'est celui-là. Donc, cette partie-là. Donc, vous avez deux. À rentrer, à glisser, à faire glisser comme ça. La batterie. Sauf. Ne forcez pas si vous voyez que ça ne sort pas. Ok. Et vous avez quelque chose comme ça qui est. Voilà. Cette partie-là, c'est fait. Comme je vous ai dit. Vous devez récupérer ce qui manque. Vous aussi faites ça pour un client. Donc vous savez comment ça se fait. Après, vous faites une photo de l'état conseil de technicien. Vous faites une photo de l'état de l'appareil parce que vous avez reçu le truc. Parce que vous avez des clients qui veulent du bruit. Parce que vous avez l'appareil, il n'y avait pas de suffisamment de temps au public. Je sais que j'ai déjà vu que. Là, un investissement déjà, donc c'est un appareil qui a été ouvert déjà. Donc, un vis. Pour le nettoyage, moi, il y a des produits spécifiques à ça. J'ai pris pour ça, ça ne va rien pour le moment. Je ne sais jamais, c'est fini. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas comment il va, mais il ne faut pas mettre de l'eau. Là, je suis donc qui était là. Et ensuite, on fait de la place, donc faites-vous la place sur une dernière. L'ouverture de l'appareil, en principe,
demander puisqu'il y a des vis qui sont classiques ou trouver pareil. Il est repéré aussi la vis classique. La vis, ok. Bon, d'accord. Vous avez un vis, 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, c'est des choses qui traînent à l'intérieur de l'appareil. Ça, c'est avant l'ouverture. Hein. Oh, c'est des... Bon, ok. Ça, c'est quelque chose qui traînait. Normalement, il y a 6 vis, mais il y a un vis, il y a une vis qui manque. Il y a une vis qui manque. Donc, là, vous prenez votre tournée vis que s'il faut, deux vis ici, les vis, très simple. Pour ce modèle-là, vous voyez, les vis comme ça. Vous en avez 4 comme ça, de placer à la manière que vous vous repérez. Parce que ce sont des vis identiques. À part que si la personne parce que moi, je pense que je pourrais en acheter puisque on a des vis valables. J'ai des vis valables. Ajouter ce qui manque. Donc, ouais. Moi, ce sont les vis qui sont. Ça fait celui-là aussi. Juste des derrière que vous avez. Ouais, c'est des vis identiques. Ça va. Là par contre, je viens entrer la partie plus compliquée pour enlever ceci, ce lecteur DVD là. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai vu que c'est la vis qui manquait. Ça et la tête là, ça montre. Moi je vais mettre cette côté parce que j'ai pas de toute façon. Je vais regarder tout à l'heure si jamais bon. Ok, ça c'est bon. Vous vérifiez s'il n'y a pas de glisse. Ça paraît là au fur et à mesure que je l'ouvre, il y a des choses qui tombent dedans. Ça, c'est les techniciens. Bon, assez mal le travail, mais sur mon travail, on va devoir récolter les prix. Ok, là il n'y a plus de vis. Vous avez déposé, donc j'ai déposé les 5 vis que je parle. Attention, pour certains modèles d'appareil, ça était compliqué dans le sens où là. Ça peut être compliqué. Est-ce que ça s'ouvre comme ceci ou comme cela? Là, vous prenez votre sésamo. Ça là. Au fond là. Vous glissez à l'intérieur, vous faites tout le tour. Vous allez voir au fur et à mesure comment ça va sortir. Ok, vous faites le tour. Il y a les clics, les claps qui vont se faire.
Parce que tous les modèles ne sortent pas. Faites très 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 attention parce que vous voyez le touchpad qui est là. Si vous foirez quelque chose, ça peut pas fonctionner. Après, une tournée de vis là aussi fera l'affaire hein, si vous n'avez pas de. Moi je sais que. Je pense que ceci serait opté pour parce que je vois que ici à moi me fait des petits défauts. Trop faible. Regardez aussi si vous voyez que ça a du mal. Vous regardez s'il n'y a pas de vis à enlever. Et cela aussi, parfois, il peut y avoir des vis cachées en dessous. Merci. Vous voyez? Ça, c'est parti. Et là, ça n'allait pas sortir. Pourquoi? Parce que quand on dit ça aussi. Vous allez le placer après ça, donc 6 à l'esthétique de l'appareil. Donc il y a plus que 5 vis à enlever. D'accord? Là, déjà. Un autre vis par là. Donc, il y a un autre par là aussi, je pense. Ouais. Il y a 9 vis. Et voilà. Puisque là, je pense que vous suivez, vous pouvez récupérer votre vis. Et vous enlevez votre vis, là, les autres vis qui sont là. Mais par contre, qui ne sont pas de la même taille, je pense, hein, que les autres. Mais si, c'est de la même taille. Donc, tous deux vis identiques. Donc, vous n'aurez pas à vous casser la tête sur ce modèle-là. Ces vis-là n'étaient pas visibles. Il fallait savoir où aller les chercher. D'accord? Il fallait savoir où aller les chercher. Et comme moi, je ne suis pas à mon premier ordinateur. Voilà. Je pense que là, je vais prendre ces armes. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui fonctionne. Je passe en dessous. Si vous avez une commune spécifique, ça va faire l'affaire aussi. Faites attention à cette partie-là parce que c'est là qu'il y a le touchpad connecté. La map. Thank you.
je crois que la partie du bas qui sort sur son élément. Tant mieux. Dans le sens où je dis tant mieux. Partagez s'il vous plaît, merci. Tant mieux. Par contre, vous ne les froncez pas. Hein. Voilà. Ça, cette partie-là, vous le prenez. Ouais, dans le sens que vous l'avez mis, de toute façon, il y a des trompeurs. Vous le placez quelque part. Placer quelque part dans une place. Donc, là-dessus, et c'est très simple, hein, là vous avez l'appareil qui est là, en fait. Là vous pouvez remplacer les pièces qui manquent. Ça comme ça. Là, je pense que vous avez déjà vu la pièce que je vais changer, qui est celle-là. Les pièces, donc le lecteur DVD, donc vu que j'ai pas ça, donc c'est, je pense que je pourrais pas l'emplacer, je vais voir tout à l'heure. Et les barrettes de RAM qui sont par là, il y a bien 4, c'est bien la console 4. Je vais voir si je peux pas rajouter une autre barrette de RAM de ce côté là. Ok, pas trop compliqué. Là, c'est une opération qui prend pas beaucoup de temps. Il faut juste ouvrir ça. Allez voir. Donc, le touchpad, donc je ne sais pas toucher là-dedans. Ne touchez pas à grand chose si vous ne connaissez pas. Ok, pour moi, bon, c'est juste le disque que je vais. Tiens, je peux vous aider un peu. Ça, c'est la carte mère. Auquel vous devez faire attention. Okay, vous allez enlever la batterie. Voilà. Il y a une chose que je voulais faire, c'est purger les éléments. Je vous prie de vous abonner, merci. Les composants internes. Puisqu'on avait la batterie, ok, vous restez appuyé sur le bouton power, ok, sur celui-là, c'est ici, pendant 15 secondes. Comme ça, ça vide les composants internes, les tuyaux du tout, tout ce qui est condensateur et tout. Comme ça, il n'y a pas d'électricité dans la carte. Vous videz tout. Voilà. Là, ça, je devais le faire avant, hein. Là, je me suis. Oui, ils sont passés de plus. Là, vous avez les haut-parleurs. Vous avez la pile CMOS qui est là. Le ventilateur, le microprocesseur qui est par là. Ce qui est touchpad, c'est par là. Clavier et tout. C'est par ici. Nous, on va changer ça. On va changer ça. Donc pour changer ça, il suffit de dévisser ça. C'est-à-dire que vous avez un support qui se trouve là-dedans pour ce modèle-là. Vous avez vu, le support est là pour dévisser celui-là. Dans ce modèle-là, les autres modèles, votre marque, ça serait différent. Par contre, ce sont des vis qui sont différents des autres. De toute façon, attention, une fois que c'est ceci, vous devez aussi enlever ce support-là. Tranquille. Si vous pouvez garder les vis là-dessus, tant mieux. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Donc là, vous faites sortir ça. Attention, vous
je vais faire ça sortir comme ceci. Vous tirez vers le bas, et vous avez la pièce. C'est celui-là qui grinçait. Donc là, mais le problème, ça grinçait, mais c'est le disque dur de 500 gigaoctets. Ok, donc c'est pas 500 gigas, ça va. Parce que ça tourne, ça grinçait. Celui que j'ai là, en termes d'épaisseur, un petit peu plus costaud. Donc j'ai peur que le premier, en fait, ça c'est l'ancien, déposé dessus. Celui-là, prenez pour vous l'insérer dans la poche. Vous voyez? C'est le placement du disque. En fait, dans cette partie-là, hop, vous prenez le disque, vous placez vous l'entrée. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, si vous voyez les épaisseurs là, bon, je pense que ça va rentrer. Tout ce qui est vis, voilà, avec l'épaisseur, bordure, il y a une différence de. Là un peu plus large, mais ça n'a rien à voir pour la lecture des données, hein. C'est plutôt pour l'emplacement, en fait, pour le poser. De toute façon, vous aurez un détrompeur. Cette partie là c'est celui en principe qui lit les données à la carte mère, et lui c'est pour le, enfin c'est pour l'alimentation. Cette partie là l'alimentation du disque, l'alimentation et la lecture des données la carte mère. Et ça c'est pour l'alimentation. Donc vous mettez ça ceci. Il y a des parties qui sont là. Quand ça rentre, il n'y a pas de problème. Ah c'est bon, ça va. Hein. Ça va, c'est pas trop. Là, maintenant, ça t'inquiète pour la fermeture du capot. Il y a quelques millimètres. De plus, on a fait ça. Et bien ça, ça va. Hein. Puis, vous, hop, vous prenez ceci, vous replacez le support, ok, donc en premier lieu, vous vissez la partie haut du support, avec la vis qui F tout. Voilà, et une petite vis comme ça. Oh. Et vous placez ceci. Oh. Et vous placez cela. Oh. D'accord. Bon. Et puis, vous pouvez désormais le fermer. On va faire un double là dessus, il n'y a pas ça. Ça arrange de vous dire que vous refermez ça. De toute façon, vous bien refermer ça. Attendez le tips. Pour vous placer vos vis, c'est bien. Pas trop compliqué. De toute façon, en place, sans les vis, il reste des clips. Enfin. Ok. Et hop, on faut placer ceci. Et on passe au vis principal, c'est là. Donc la tête 1, 2, parce que ce sont tous des vis identiques. Donc c'est pas grave du tout si
Et c'est pas compliqué. Il y a quelque chose, je pense, qui va poser problème. C'est quoi? Vous allez voir tout à l'heure. En fait, c'est pas un problème en soi, hein. C'est juste que... De toute façon, il manquait une de... Vous ne serez pas comme un malade. Et deux autres qui étaient derrière. Vous appuyez sur le bouton power puisque de toute façon on n'a rien enlevé d'autre la machine. Lui, je pense qu'il contient un système d'exploitation. Ben voilà, il contient Windows 10, mais ça ne claque plus. Pourquoi ça ne claque plus comme ça? C'est bien. Pourquoi? Parce que ben, ça ne claque plus, tout simplement. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça c'est normal, parce que l'autre disque dur, c'est une autre marque en fait. Oui, je vous ai promis une chose. Lui, je vais le faire fonctionner tel que c'est. Je vais le faire, bon, ben, peut-être 97. Allez, ça se démarre. Là, le problème, là, il faut trouver le mot de passe pour ça. Chose que j'ai pas. Mais aussi, il y a un autre système, c'est celui-là. Là, je vais le brancher comme ceci. Je vais rajouter un clavier normal. Donc, le gros clavier que vous avez là. Et aussi, je vais rajouter une souris. Et puis, je vais brancher un écran là-dessus. Et je vais rajouter le disque dur aussi. Mais par contre, il y a une chose que j'ai dit que j'allais faire.